J'avais vraiment envie de participer à la construction de la génération de demain. It was a perfect night to break. On est là pour aider les personnes à se développer. On n'est pas là pour les piéger, on n'est pas là pour les juger, on est là pour les accompagner. Notre rôle, c'est d'observer l'enfant et de vraiment d'adapter ce qu'on va lui proposer. On est beaucoup moins indispensable en fait que dans une classe traditionnelle, parce que les enfants sont autonomes par rapport au matériel et ils apprennent beaucoup plus par eux-mêmes qu'à travers nous. On travaille aussi pour que les enfants puissent acquérir de l'autonomie, de la confiance en eux, de l'estime d'eux-mêmes et de leur travail. Et ça, je pense que c'est vraiment important, c'est-à-dire que c'est des bases qu'on va leur offrir et qu'ils vont pouvoir garder tout au long de leur scolarité et dans leur vie. Les enfants ne sont pas assis à une chaise et ne sont pas en train d'écouter passivement un adulte. Donc nous, on travaille individuellement avec les enfants, on fait des présentations. Et le matériel est à leur disposition en fait, dans la classe. Et une fois que ça a été présenté, ils peuvent le reprendre autant qu'ils le veulent et le travailler seul ou à plusieurs pour certaines activités. Vraiment, on s'adapte aux besoins de l'enfant, dans la totalité de la pédagogie. C'est-à-dire par rapport au matériel, c'est un matériel qui a vraiment été conçu à partir d'observations de l'enfant, donc qui répond à son besoin de découvrir le monde, de se construire un esprit logique. Il y a un système d'auto-évaluation. C'est-à-dire que le matériel, pour la plupart des activités dans la classe, l'enfant va pouvoir s'auto-évaluer et estimer lui-même la qualité de son travail. Et il y a une auto-correction dans le matériel. C'est-à-dire qu'il se rend compte par lui-même si il a réussi l'activité ou pas. Il y a un contrôle de l'erreur. Nous, on va travailler individuellement avec chaque enfant. On va lui présenter une activité. Ensuite, il va la reprendre, la travailler seul. Et nous, on va observer si l'enfant a bien compris, si on a besoin à nouveau de revoir ça avec lui. Ou si on peut passer à autre chose et continuer nos présentations. La configuration de la classe est complètement différente, c'est-à-dire que c'est plein de petits espaces comme une petite ruche où les enfants vont travailler individuellement. Et la place de l'adulte est vraiment différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas un enseignant qui va déverser et donner son savoir aux enfants, mais on est un accompagnateur par rapport aux enfants. On voit des enfants qui peuvent vraiment avancer à leur rythme. Ça, c'est super important. Parce que du coup, il n'y en a aucun qui est laissé de côté parce qu'il n'arrive pas à suivre ou parce qu'il est trop en avance et qu'on n'a pas matière à lui proposer des choses nouvelles. L'enfant va pouvoir s'auto-évaluer et estimer lui-même la qualité de son travail. Et il y a une auto-correction dans le matériel. C'est-à-dire qu'il se rend compte par lui-même si il a réussi l'activité ou pas. On est dans la construction. Et tout est possible encore. Et je trouve ça magnifique. De se dire, on construit, on donne des bases aux enfants qui vont pouvoir garder toute leur vie. Moi, j'aime ma vie d'adulte, vraiment. Je suis super heureuse d'être adulte. Et c'est ce que j'ai envie que mes élèves disent plus tard. Moi, j'ai envie de voir des gens bien. J'ai envie de voir des gens qui sont heureux d'être ce qu'ils sont, qui ont réussi à se trouver aussi.